We will set Jauri Usman. We will meet White Makram Antoni. We will nurse Nadina Papa. We will Diskeita Mamadou. We will all Stani Ibrahima. We will do Steve Timothy. We will dress Jaruma Bente Mami. Numéro 14, Ndiaye Alpha. Et numéro 15, Askofare NH. Aboubakar. Le coach de cette équipe, c'est bien Sogore Moussa. Assistant Kani Mamadou. Et bien tous les autres encadreurs Konaté, Noël, Sissoko Temba, Sissoko Mankam et Kanouté Boubakar. Mesdames et messieurs, présentation du groupement des sportifs des pétroliers d'Algérie. Numéro 4, Belkaseri Elie. Numéro 5, Aga Mustafa. Numéro 6, Boukaïb Merwan. Numéro 7, Amdini Adela. Numéro 8, Michael Koyne. Numéro 9, Etish Abdel Salem. Numéro 10, Twati Mohamed Sérif. Numéro 11, Benaya Sherif. Numéro 12, Belkoja Faisal. Numéro 13, Kante Mahamadou. Numéro 14, Green Garel. Et le numéro 15, Morgan Lissan Rilé. L'entraîneur principal de l'équipe, Goulaya Soufiane, assistant Aouni Kerdia, et bien sûr les autres membres de l'équipe, Kedibesh Mohamed, Aït Ayam Teme Adela, et bien sûr Mohamed Oussaïd. En ce qui concerne l'arbitrage de cette rencontre, le crew chief Kingsley Ajayiburu du Nigeria, l'Umpire number 2, c'est Estefanos, Égypte, et bien sûr, Umpire numéro 2, Jean Sauveur. Voilà, et délégué technique de cette rencontre, de cette première demi-finale, il s'agit de Madame Safaissou Anne-Marie. Voilà, mesdames et messieurs, la mise en place pour cette première demi-finale. Nous vous rappelons que les trois premières équipes de ce tournoi sont qualifiées pour la phase finale. Thank you.
c'est pas centré. Sur notre jeu. Moi, je vois ce jeu en défense, les gars. Ne touchez pas en défense. Donc, surtout, dès le départ, les jeux de défense, si vous avez battu, ok, il faut vraiment. Le jeu de défense, c'est le 40 pour le champ. Tous les fautes de main, évitez les fautes. Défendez-vous pour nous. Si vous avez battu, laissez. Les hommes sont derrière. On préfère les deux lancer. En attaque, on attaque pour le jeu. No easy basket. Et les gars, je vais rappeler les deux secondes. Tout, les gars, il y a plus Bon après-midi et bienvenue sur les antennes de CRTV Sport pour cette première demi-finale donc du deuxième tour de qualification pour la Ligue africaine de basketball. GSP d'Algérie affronte dès les prochaines secondes AS Police du Mali. Première demi-finale dont l'enjeu est la qualification pour la finale et une autre qualification sous-jacente, c'est pour la saison régulière, l'étape finale prévue l'année prochaine à partir du mois de mars prochain à la totale prise en charge de la NBA, le championnat de basketball nord-américain. La rencontre débute, le commentaire en langue française, Évariste Ngaï, en langue anglaise, Baldwin Saba. Good evening. Good afternoon to you, Évariste Ngaï. Good afternoon to thousands of supporters of CRTV Sports, thousands of viewers rather of CRTV Sports and Entertainment. Welcome to the Mouth Football Sports Complex this Saturday afternoon for the first semi-final of these ongoing second round qualifiers for the 2020 Africa Basketball League, pitting AS Police of Bamako, Mali in blue on the screen against GSP of Algeria in white on the screen. And the match started about 30 seconds ago. And the objective, Evariste was saying a while ago, is to pick a qualification ticket for the final and pick one of the available tickets for the African Basketball League to take place next year, 2020, in the month of March. And here comes GSP of Algeria. That's across our first 2 points. In this match, GSP of Algeria fans to Akete Muhammadu. Muhammadu who gets the first 2 points for the group of Mandé Petrouli of Algiers, who they were set, made known their intentions in this first semi-final fixture. But it's not going to be quite easy given that they will have to press it very hard to be able to overpower AS Police of Bamako, Mali. AS Police de Bamako qui a privé ce jour de l'un de ses meilleurs éléments, Alphan Ndiaye, le meilleur marqueur des deux dernières rencontres, malheureusement qui a été victime d'un accident et puis un traumatisme crânien. C'est vrai que les nouvelles sont positives concernant ce joueur qui malheureusement va manquer à ses coéquipiers réduits à 11 ce jour pour cette équipe venue défendre les couleurs du Mali dans cette compétition. Le représentant de Bamako assiégé par la meilleure équipe de la place algérienne, GSP, le groupement sportif des pétroliers, avec ce panier de 3 points inscrits à l'instant. The same player who secured the first 2 points, Kante Muhammadu, has secured 3 additional points. And here he comes, Muhammadu with 3 points, attempt shots there. He doesn't get into the net. But GSP of Algeria, they are leading 5 points, it's against 0-4. AS Police of Bamako. And that was a beautiful
Beautiful points scored there by Gabriel Green for GSP of Algeria, permitting the team to increase her points tally to seven points so far for GSP of Algeria. Thanks to Gabriel Green there. And here comes IS Police of Bamako. Unfortunately for them, they were stopped by any bowling wall imposed by the Algerian defense. Three points attempts there, but unfortunately it wasn't successful as Tom White of IS Police. He organized this play with Keita Muhammadu. Difficult sort of for this for the Malians. The Malians who are facing a stiff opposition from the Algerians. And the Algerians have just been of Algiers, led by very, very tall and talented basketball players who make use of their heights and their morphology to secure the available points during this first quarter of this semi-final match. Mouhamadou Kanté, qui est la véritable ironie du sort dans cette équipe algérienne. Il est de nationalité malienne, donc il a en face de lui ses compatriotes de AS Police. Vous allez le remarquer, c'est celui qui a inscrit les deux premiers paniers pour le compte de GSP d'Algérie. Celui qui vient d'intercepter cette balle, c'est le seul joueur à la peau noire de l'équipe algérienne, à l'exception des Américains de cette équipe. AS Police, Mamoto Keita, le shoot qui n'est pas rentré, la récupération de ton compatriote d'en face, Mouhamadou Kanté, dont le shoot n'est pas rentré cette fois-ci. La raquette pour le Mali. Passe-maqué qui va shooter sur la ligne de 3. Ça ne rentre pas. Le score 9-0 pour GSP. Et voilà les deux autres points qui portent le score à 11-0 en faveur de GSP d'Algérie. Le groupement sportif des pétroliers qui a le vent en poupe en ce début de demi-finale. 11-0. Ah, c'est vrai que cela est en cohérence avec le statut de cette équipe. On vous l'a dit, c'est la meilleure équipe de la place algérienne. 20 fois champion de ce pays-là et 19 fois vainqueur de la Coupe d'Algérie. Ah oui, et une équipe qui s'impose aussi de ce... dans le championnat arabe. Il dit on drive, mais il dit je dis. Don't come help, because it's like a zone man. So you stay with your man like this, this guy stay. He will follow with him. Mamadou, il va l'accompagner. Mamadou, tu vas l'accompagner. Okay. Donc, Divi, il ne faut pas qu'il vienne. Qu'il n'y ait pas un décalage. Devin, you stay with your man. It's like a zone man. Hey, Diego Abdullah. Diego Abdullah. Hey, you take my man, come. I feel it here. Okay. Come on, Michel. Come on. I want to believe the many viewers of CRTV Sports and Entertainment, and likewise ourselves, we can now understand how some of these Americans get to understand what some of these coaches are saying. There are some players who serve as players and interpreters. We're asking ourselves how some of these Americans will understand French or Arab or the Arabic language. When once the coach says something, there is a player who interprets for the Americans to understand. And here comes IS Police for Bamako, Mali. And that was a great deal there from IS Bamako, Malcolm White, Medicine Kelly for IS Police, permitting the team to secure our first 2 points in this first quarter of this semifinal match. And here comes a beautiful 3 points concretization there by Bel Kassemi, Al-Edin of GSP of Algeria. Bel Kassemi permitting his team to increase tally, securing their 14 points in this first quarter of the match. 14 points for GSP of Algeria and just 2 points for IS Bamako. That comes in with this other attempt. Unfortunately, it rolls over the net and doesn't get into the net and doesn't permit IS Police of Bamako, Mali, dressed in all blue, to secure any points. C'est une lueur d'espoir, Mali. Une lueur d'espoir pour cette équipe du Mali qui a enfin ouvert son compteur point. Les deux premiers inscrits par l'Américain Malcolm White. La possession de balle, Keita. Keita pour White. Et le shoot qui rentre. Les 3 points inscrits à nouveau par l'Américain
ses 5 premiers points. Ah bah oui, il lui donne la possibilité à son équipe de pouvoir, à la possibilité de pouvoir revenir. 14 contre 4. L'équipe malienne distancée de 10 unités au renfort à faire. C'est vrai que c'est pas grand chose au basketball, car il y a 7 temps à jouer. Premier carton, 4 minutes 44. Keita, le shoot à 3 points, qui va rebondir sur le cercle. La deuxième tentative, il va aller avec tout seul. Ah, mais là, bon, il a engagé de ses deux pas d'appui avant d'attaquer l'anneau. Il a été rattrapé, Keita. Revoici Jason White. Et c'est le tête à l'intérieur. Les trois autres points. La réaction en série, 7 points d'affilée. Ah bah oui, c'est une très bonne réaction pour Bamako. Ah, il est tout seul. Et malheureusement, il rate le cercle. On va y aller. Côté malien. Keita, le shoot à 3 points. Voilà, il y a eu faute sur le joueur. Parce que son mouvement n'est pas allé jusqu'au bout, il voulait propulser la balle orange. Il y a eu cette main qui l'a ralenti dans son élan. Et Keita aura donc la possibilité à travers les lancers francs d'inscrire d'autres points en faveur de son équipe AS Police, équipe institutionnelle du Mali. Le premier shoot est à l'extérieur. C'est pas bon pour le moral de l'équipe qui a fort besoin de points. Qui a fort besoin de réduire l'écart face à cette équipe algérienne, l'ogre. C'est bien que il s'agit là d'équipe que le Cameroun à travers FAP a affronté un match de la troisième journée du championnat intégral GSP d'Algérie. GSP. GSP, alors que vous entendez le banc de touche encourager leur coéquipier dans l'air de jeu. Ah oui, le bras roulé qui rentre. Celui de Cédine Touati, qui est l'un des meilleurs marqueurs de cette équipe, le joueur de 30 ans. Du haut de ses 2m13, eh bien, il est bien plus facile pour lui de faire rentrer la balle à la bonne raquette. Celle de Hamdini Abdelhaï. Ce sera une possession pour GSP d'Algérie qui mène de 16 contre 9. Première demi-finale. On vous le rappelle, le vainqueur de ce match non seulement accède en finale, mais aussi il atteint même l'objectif de ce tournoi de Yaoundé. Il se qualifie donc pour la saison régulière, la Ligue africaine de basketball, financée, on vous le dit, totalement par la NBA, le championnat nord-américain de basketball. Speed. AS Police Bamako Mali, in their need of securing as many points as possible for them to be able to reduce tally, for them to be able to reduce the points difference between them and their opponents of this afternoon, GSP of Algiers, Algeria, as supporters of the Malians on the reserve bench keep on cheering the players, keep on pushing them to victory. As GSP of Algeria, some 2 minutes 50 seconds to the end of this first quarter, is leading by 16 points as against just 9 points for AS Police of Bamako Mali. And referee says it's going to be a free throw for GSP of Algeria. And here comes Hamdini Abdelhaï, who comes in there with that free throw. He succeeds to send the ball into the net, increasing the points tally for GSP of Algeria. And once more, Hamdini Abdelhaï makes use of this second free throw. Is he going to succeed with the second free throw? And he gets into the net for an additional point. It gets right up to 18 points so far for GSP of Algeria and just 19 points for AS Police of Bamako. 9 points difference among the two teams.
The guys of Bamako Mali, led by Sectional, Malcolm White, won't want to lose this semi-final match because it will be tantamount to bidding farewell to a dream of a qualifier for the African Basketball League itself. As Malcolm White once more permitting his team there to secure two other points. Malcolm White, who has been very, very instrumental for the Malian team ever since this competition started. And he, alongside other Americans, taking part in this qualifier. What a beautiful, beautiful concretization there by Benayat Sherif. Three additional points for GSP of Algeria. Very good specialist, very good basketball players in terms of 3 points attempts as Malcolm White bounces back. What a beautiful game. C'est l'homme à tout faire de cette équipe, Malcolm White. Réaction d'en face, GSP d'Algérie. Ah, il a trouvé son pivot. En déséquilibre, le shoot à 3 points qui ne rentre pas. Et la bonne raquette côté AS Police, Timothy Steed. Ah, c'est pas à l'intérieur, c'est pas rentré. Cette autre tentative de Malcolm Anthony White. Ah, le voilà. Le voilà. Le géant de cette équipe algérienne. Sedine Touati. Dans son rôle de pivot. Phase offensive. AS Police. Il est rentré. Il a l'espace. Et c'est fait. La balle qui rentre à l'intérieur avec une essence particulière. Celle de Badra Bako Samake. GSP, alors qu'on joue les 40 dernières secondes de ce premier carton, la balle ne rentre pas. La bonne raquette, celle du Malien de l'équipe d'Algérie. Ah, la contre-attaque. La contre-attaque malienne. Il va aller à l'attaque. La feinte était bonne. Et cette balle, qui avec beaucoup de réussite finalement va rentrer. Elle est rentrée finalement. Aïdara. Ibrahima. 23-17. Écart de 6 points. Mali, GSP et le rebond. C'est terminé pour ce premier carton. Premier carton qui s'achève donc en l'avantage de GSP d'Algérie. 23 points et 17 seulement à AS Police. We will listen to the coaches talk to the players before we come back for the second quarter of this match. Quand tu ressors, Richard, ça fait là. Le gars te fait un pic et ton gars court ici et ils font main à main. Quand, voilà, main, main, quand le gars te fait un pic, écoute ici. Quand le gars te fait le pic ici, Malcolm prend ton gars, tu prends le gars là. Ok, tu prends la passe, tu renverses ma Abdallah et on joue Haïlo. Abdallah aussi terre. D'accord. Et par contre, les passes passées, on ne va pas l'accepter. Hein. C'est une bonne faute, il marque pas. Plus d'agressivité, lui. Aïe, aïe, aïe. Plus d'agressivité, lui. Je préfère toi. Pour les cartes. Ok, end off, là, c'est là où il y a un problème. Tu dis end off, vous changez. Change, change, end off. Change, change. Parce que tu donnes le choix de ça. C'est le choix de ça qui doit être le bon. Comprenez. Ok. Sous
suite de cette première demi-finale entre GSP d'Alger et AS Police du Mali. Deuxième carton. Mamadou Kanté. Adélie Amadou. Mamadou Kanté. Et le dépôt, c'est à côté. Le pivot pour tenter de sauver la situation. Il n'y parvient pas. Il obtient néanmoins. C'est Nid Touati. Le lancer franc. Il en aura en deux temps. Le premier, vous le voyez, c'est manqué complètement. Céline Touati, 2m13 de hauteur. Voilà, la deuxième tentative est exécutée avec succès. Le Mali. Timothy Steed. Le Mali à nouveau. Et cette balle, alors que la défense était régulière, il avait les mains levées. Hamdini Adelaï qui obtient donc la possession. Amadou Kanté. Sherif Hessem. Céline Touati. Et il est contré. Il est contré par Malcolm White. Malcolm White, l'Américain. Steed. Le shoot. C'est à bonne distance. Et cela manque de précision complètement. Le Malien Kanté. Shoot. Il va rentrer. That happens to be one of the strengths for the Algerian team. The ability to secure 3 points from 3-point shots. And that's what they have been doing to widen the gap between them and AS Police of Bamako, Mali. 26 points so far for GSP of Algeria. And just 17 points for AS Bamako. This is the second quarter. Here comes another attempt there, but unfortunately, there was a personal foul there that did not permit Boyet Sherif to secure 2 points for GSP of Algeria, as they're going to benefit from two free throws, which will be driving opportunities for them to increase tally. And here comes Boyet Sherif. He succeeds finally with the first free throw, increasing their points tally to 27 points so far. And Boyet Sherif comes on once more and concretizes the second free throw, getting to 28 points. 28 points for GSP of Algeria. And here comes the final attempt and a beautiful, successful free throw there for Sherif Boyet, increasing the points tally for GSP of Algeria to 29 points. Difficult start of this match for AS Police of Bamako, Mali, where after several attempts from Malcolm White, it has been quite difficult for the team to level scores here in this match. Malcolm White in this solo move beautifully comes on with this 2 points attempt. He reduces the points difference between AS Police and GSP of Algeria. AS Police moves on over to 19 points so far, as against 29, 10 points difference between GSP of Algeria and AS Police. Timothy, he was fouled there. There was a personal foul against GSP of Algeria. It's going to permit the boys of AS Police of Bamako to once more reorganize play, talk to themselves, and try to find out the right strategy that will permit them not only level scores but secure as many points as possible. Possession de balle pour AS Police. Koulibaly Boubacar. Koulibaly Boubacar. Voilà, Isha, voilà. Et ce sera une autre possession, toujours pour l'équipe malienne. Ibrahima Aïdara s'en charge. Malcolm White. Aïdara, le shoot, complètement manqué. Qui n'a même pas atteint l'anneau.
L'arceau qui était bien plus éloigné pour lui, c'est passé. Ah, il a échappé au contre pour la déposer cette balle et cueillir les deux points. Et même, au passage, il va obtenir un lancer franc. Ah oui, parce que il avait déjà anticipé, il était monté déjà allant vers cette plaque pour, sans la brutaliser, faire effleurer la balle et la faire retomber dans l'anneau. Alors, voici le lancer pour le troisième point. C'est manqué, malheureusement. La récupération, elle est algérienne. Darrell Green, l'américain de cette équipe algérienne. Darrell Green qui trouve le pivot et ça rentre. C'est bien cela, son rôle enfoui dans la défense. Il a pu quand même trouver le petit espace par lequel il a glissé cette balle pour inscrire le 31e point pour GSP d'Algérie qui distance de 10 points son adversaire du jour à Espolis. À Espolis qui vient d'obtenir une possession de balle. 6 minutes 45 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Ah, c'est pas encore le moment d'être inquiet pour l'équipe malienne menée de 10 points. Malcolm qui se bat à toutes les occasions. On le voit en situation offensive, lui qui est un joueur intérieur. Mais on le voit aussi à la raquette au rebond. Donc en situation défensive. Le shoot mal ajusté. Le pivot. Attention. Il y a eu marché, malheureusement. Il y a eu un pied à l'extérieur. Côté GSP. As we play some 6 minutes, 10 seconds to the end of this second quarter. This first semi-final fixture of the day pitting Ice Police of Bamako Mali in blue against GSP of Algeria in white. The winner of tonight, the first semi-final, will qualify for the final and eventually pick her qualification ticket for the first ever Africa Basketball League. What a beautiful show for billions there by Abha Mustafa. It was Haidawa Ibrahima of Ice Police. Ibrahima Haidawa who increased the points tally for Ice Police, taking the points tally to 24 points so far. As against 31 for GSP of Algeria. That doesn't want to relent her efforts in this match. Continue with the number of attempts, but unfortunately that one did not get into the net with no points secured for GSP of Algeria after that failed attempt there. Voice of Bamako Mali coming there with another beautiful 3 points there by Timothy Steed. Timothy Steed, one of the Americans who plays in Ice Police of Bamako here alongside Malcolm White, have been quite instrumental for the Malian team. And time for us to listen to what some of the coaches will be telling their players during this technical timeout. Bonjour, chaque fois qu'il y a bloc là, si c'est le meneur, s'il y a pic sur le meneur, les pivots vous poussez, on fait passe dessous. Abonne du monnaie. Ok. And here comes the stats, the continuation of the second quarter. It's still 31 points for GSP of Algeria and 27 points for IS Police of Bamako. That rebounds through Haidawa Ibrahima. Haidawa Ibrahima
beautifully needs some help there. Beautifully combines with Koulibaly Boubacar. What do? They try a 3-point throw there, but unfortunately doesn't get into the net. But the ball is still Malian. The Malian still control. And here comes Koulibaly. Once more, he shots, did not get into the net as the Algerians retaliate with this offensive move here. What do they do? They try a 4-point against Marke. Ball Kassemi. Kassemi with good commands with Boukeb. Here comes Boukeb. Boukeb tries to shoot, but unfortunately there was a Berlin one. All hands went up there, and here comes another attempt by the Algerians, and it gets into the net. A beautiful, beautiful 2 points. Successful 3 points there by Yabol Kassemi. Eldin of GSP of Algeria, permitting his team to increase their points to 34. And the Malians retaliate. The retaliation was immediate as the boys of Ice Police of Bamako through Diabouma Kami. Diabouma secures 2 additional points for Ice Police of Bamako. It's a Mickey Mouse game notice so far between the Malians and the Algerians in this encounter. They don't want to allow anything to take the lead. I mean, to widen the gap. It was previously 10 points difference between GSP of Algeria and Ice Police of Bamako. But now it's just 5 points difference. 5 points difference before the end of the second quarter. We must have noticed some changes as we play some 3 minutes, 30 seconds to the end of the second quarter. Un temps qu'il reste, Balvin à l'équipe d'Ice Police de pouvoir venir à la hauteur de GSP d'Algérie comme cette équipe le fait à l'instant en réduisant l'écart qui n'est plus que de 3 points. GSP, attention à ce shoot à 3 points. Le rebond, il est toujours blanc. Il est toujours algérien par le meneur de cette équipe qui va attaquer. Il est contré à la régulière. Il y a coup de sifflet. Ah ben on n'a pas eu cette impression qu'il y avait un souci avec le contre. Ah bah oui, c'était plutôt un pis or, parce que là c'était fait à la régulière. Ah, il l'a vu venir. Il l'a vu venir Merwan Roubaï. Ah, il est monté l'attendre pour cueillir la balle orange. 34, 31 toujours. Possession Algérie. Le shoot du pivot, c'est à côté. Ah, quelle méprise. Quelle méprise de Timothy Steed. L'Américain ailier de cette équipe malienne. Ah, le dépôt, c'est à côté. Et le pivot, justement, pour veiller sur toutes les balles qui retombent après que son coéquipier a chuté à chaque fois. La contre-attaque. Contre-attaque algérienne. Ils sont 3. Il permet le regroupement. Le shoot à 3 points. Qui rentre. À quelle adresse? Quelle adresse d'Edine Belkacemi. Le joueur de 29 ans qui a atteint le cercle à partir du banc de distance. Une autre contre-attaque algérienne. Le petit devient pivot de l'équipe. Ah là, c'est un peu trop haut pour lui. Un peu trop haut pour Edine Belkacemi, qui ne compte qu'un mètre 90. Alors que là, c'est la petite pause. Le temps mort avant les 2 minutes et 7 secondes à jouer encore pour la suite de ce deuxième carton. 39-31, 8 points d'écart. C'est pas bon, it's not good. 5 points. Ok? Ok, coach, the point is good. When the two guys were here and they got the ball, c'est 5 points. Très l'alliant. Mounir, attends, il a blanc contre. Mounir, transition. Ne cherche pas tout de suite le bac, toi. Au moins, tu fais semblant de venir, matin. Dès le départ, tu peux le capter, il a pas le bac. Hey, va faire du staff.
It's going to be very, very decisive this last minute of the second quarter, especially for the Malian Surface Police of Bamako, who will want to reduce the 8 points difference gap that exists between them and the Algerians of GSP of Algeria. As the Malians bounce back, and here comes another attempt, but unfortunately it wasn't possible for Diarouma Mami's shots to get into the nets for them to secure 2 points. As the referee says, play is going to continue via GSP of Algeria. Haidara Ibrahima, rather Adwa Mustafa. Adwa Mustafa in dire need of a beautiful search there. There comes another 3-point shot attempt, but unfortunately did not get into the net. As the dice of GSP of Algeria succeeds to get 2 additional points. 2 points were the points validated by the referee, but they are going to get free throws. No, rather no free throw for GSP of Algeria. As we play 1 minute 35 seconds to the end of the second quarter, it becomes more and more stiff. The match becomes more and more tensed. Emotions are high. As there is a lot of anxiety on the faces of most of these players to see which team actually wins and picks the qualification ticket for the final, especially the first ticket for the Africa Basketball League scheduled for next year, 2020. Malcolm White, he tries a 2-point attempt shot there, but unfortunately for Malcolm White, he doesn't get into the net for Ice Police of Bamako. As the Algerians retaliate through Boukep Nougue. Boukep, it has been a show of resilience on the part of Ice Police of Bamako Mali with regards to the pressure mounted by GSP of Algeria. They came so close to securing 2 additional points, but unfortunately for the Whites. Baline, vous avez dit so close. Il a complètement loupé la plaque. Complètement. And that's why they will have to regret some of these opportunities they are missing, because it doesn't just suffice to have a 10-point margin between you and your opponents, because even during the last seconds of the match, your opponents can bounce back and defeat you as far as the basketball is concerned. Malian Surface Police. Here comes it was Koulibaly Boubacade. Was brought down, and the referee says there was a foul. There is an Algerian player on the court. Two players, I should say, one for Algeria and one for Mali on the court. There is a foul there, which is going to permit the players to get some instructions. Some 4 seconds to the end of this second quarter. Toujours 10 points d'écart en faveur de l'équipe d'Algérie, GSP, 41-31, alors qu'il reste 40 secondes à jouer avant la mi-temps, 40 secondes dans ce deuxième quart-temps. Un score qui donne plutôt du sourire à l'équipe algérienne, qui se voit déjà d'une part en finale et d'une part aussi en train de participer à la saison régulière, on vous l'a dit, qui prendra place l'année prochaine, 2020, à partir du mois de mars, qui sera organisé dans 6 pays, hein, pratiquement. Le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc et aussi l'Égypte, ces différents pays qui ont, et puis l'Angola, qui ont déjà déqualifié les 6 premiers qualifiés donc pour la saison régulière, alors que les 6 autres qualifiés seront issus donc du deuxième tour éliminatoire en cours. Voici la division Ouest qui se tient à Yaoundé, qui devra livrer donc les 3 qualifiés parallèlement. À Kigali, c'est au Rwanda. Il y a la division Est qui se tient également et devra livrer aussi les 3 qualifiés de ce côté-là. Et la joie de l'équipe de GSP qui vient d'inscrire son 45e point alors qu'il reste 20 secondes à jouer. 20 secondes. Ce sera bientôt terminé. Malcolm White, le shoot qui ne rentre pas. La récupération algérienne. On va très rapidement. Ah non, il va se calmer. Ah oui, c'est la gestion, hein, du temps. 6 secondes, 5,
4, 3, 2, le shoot est parti. C'est la fin de cette première mi-temps. Fin du deuxième quart-temps. La pause, la grande. La moitié donc de cette rencontre. 45 points pour GSP. 31 pour AS Police. 14 points d'écart. Donc pour l'instant, le qualifié pour la finale, c'est bien GSP d'Algérie. L'autre deuxième qualifié, on l'attendra, vous le savez sans doute, il y a cet autre rendez-vous ce soir à 18h entre l'équipe du Cameroun, les forces armées et police, FAP, qui seront en opposition donc pour leur match de demi-finale. Une rencontre que l'on vous recommande vivement. Toujours sur le parquet central du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Mi-temps donc de ce match, on va repartir en baladeux pour la petite pause avec Berlin Kamba.
Merci Merlin. Toutes nos amitiés à votre invité Laurie. La partie va reprendre après les échauffements que vous apercevez. Tenez quelques statistiques à mi-parcours de cette rencontre. Le meilleur marqueur jusqu'ici, c'est Nadjem Edine Belkacemi avec 12 points à lui seul. Et dans son équipe, il y a un deuxième meilleur marqueur, c'est Mohamed Sédik Touati. Le 2-10, vous l'avez remarqué, le pivot de cette équipe avec 11 points, mais aussi 6 rebonds. Alors que côté AS Police, c'est 10 points d'inscrit pour Malcolm White, qui est le métronome de cette équipe. Celui qui est à la base de toutes les bonnes performances de l'équipe d'AS Police du Mali. Il a réalisé 10 points à lui seul, 4 rebonds et aussi une passe décisive. C'est pas mal pour celui qui est amputé de la deuxième cheville ouvrière de cette équipe. Puisqu'on vous a dit, Alpha Ndiaye, qui est à l'infirmerie, ne pourra plus poursuivre la compétition depuis le dernier match. Et voilà donc quelques chiffres de cette première partie qui reste à l'avantage de GSP d'Algérie, 45 points, 31 pour son vis-à-vis du jour, AS Police. 14 points difference between GSP of Algeria and AS Police of Bamako, Mali. In a couple of seconds, it's going to be the start of the one but last quarter in this match. That is to say, the third quarter. After the first two quarters, it is 45 points for GSP and 31 points for AS Police. This third quarter will be quite decisive for both teams, given that AS Police, who wants to reduce the points difference between them and GSP of Algeria. Meanwhile, on the other hand, GSP of Algeria will want to increase the points tally and secure as many points as possible. That will certainly permit them to carry the day. That will certainly permit them to pick a qualification ticket, not only for the final, but pick that most cherished qualification ticket for the maiden edition of the African Basketball League. On your screen, the players are getting into the court with AS Bamako, AS Police of Bamako Mali. For those who are just tuning in, they are watching live on CRTV Sports and Entertainment. On your screen, you have players of GSP of Algeria dressed in all white. Meanwhile, those of AS Police of Bamako dressed in all blue. The stats are for this third and decisive quarter of this first semi-final clash of this tournament here in Yaoundé, with players of both teams who have received instructions from their respective coaches at halftime as to what exactly needs to be done during these last two quarters of this match, as AS Police begins or gets the opportunity to kickstart this third quarter with what is referred to as an intention to secure more points. Malcolm White's there beautifully combined with Koulibaly. Sorry. And here comes another three-point attempt throw, but unfortunately doesn't get into the net by Ousmane Traoré, which permits the Algerians of GSP of Algeria to organize play via Michael Koibé. Abba Mustafa in the need of help. He beautifully combines with Adwa Belkacemi. And here comes another Algerian opportunity. Unfortunately, they didn't succeed to make use of what would have been a rebound, leading them to 2 points secured. The referee says there was a foul, which goes to the advantage of AS Police of Bamako Mali, who reorganized play via Haidava Ibrahima. Malcolm White gets into the half court for the Algerian team, but unfortunately Malcolm White didn't succeed with his intentions. He would have loved to penetrate and get right into closer to the net to sending the ball inside the net. He didn't succeed so, but the Algerians will want to correct the mistake by Malcolm White. Here comes Riley Morgan with 2 additional points for GSP of Algeria. He started well, Morgan Riley, who permits his team to get 2 additional points, increasing their points tally in this quarter. As the Malians of AS Police of retaliate with 2 points, they have got 2 points, which is equally going to permit them to reduce the points tally separating them
from GSB of Algeria, 33 points for Ice Police of Bamako Mali, and 47 points for GSB of Algeria. After 2 points secured, they have the opportunity to benefit from free throws. Two free throws for Ice Police of Bamako, and I see Samake Beneko. Samake Beneko, will he confidence that free throw that will permit Ice Police of Bamako Mali to increase their points in this third quarter of this match? He concentrates and gets the ball. Samake Beneko hits the ball on the court and comes in with that attempt. It doesn't get into the net. A failed attempt there was Malcolm White retaliated. He tried to get the ball into the net, but unfortunately, as it permits the Algerians to come in with an offensive move here, retaliating via Bouquet, Negush, Bouquet, and here comes another Algerian infiltration there. There was a foul. The start of this third quarter becoming more and more interesting. Possession de balle pour le Mali. Mamadou Keita. Mamadou Keita pour Asko Faré. Ils vont obtenir une possession. Remplacement GSP, entrée numéro 13, entrée numéro 6. Première faute personnelle du numéro 6 de GSP. Asko, Asko. Troisième faute d'équipe. Merwan Bouraïb, le meneur de l'équipe qui cède sa place côté GSP. Malcolm. Malcolm pour Keita. Keita pour son pivot qui n'a pas de souci à placer cette balle, même si il a eu du mal à bien l'orienter. GSP par le malien de cette équipe. GSP toujours une attaque. Ah non, il est presque seul. Ah là, c'est refermé. Le bon regroupement défensif du Mali qui a donc porté quelques fruits. Cette défense qui leur a fait problème en première manche. Hein. Elle était assez poreuse. N'empêchant pas le moindre du monde, Sedine Touati de s'exprimer ou Chetif Haïchem. Le shoot manqué, celui de Malcolm. Son coéquipier qui tente la correction alors que, au passage, Badra Benekos Maké a été effleuré. Cela lui vaudra lancer franc. Indication de l'arbitre de ce match, le principal. Voici Badra Benekos Maké. C'est à côté. Aïe aïe. C'est pas ce dont l'équipe de Bamako a besoin. Ah voilà le deuxième shoot. C'est airball complètement. Une balle qui s'en va échouer sans avoir effleuré ni la plaque Milano ni le filet. C'est un vrai gâchis. C'est deux lancers francs de Smaké. Konaté, le Malien de l'équipe algérienne qui se fait piquer la balle. Il a du temps, le temps de mettre ses deux points et c'est fait. Voilà ce Smaké qui se rattrape bien de ses deux lancers francs manqués il y a quelques instants. Il doit être bien heureux d'avoir réglé son problème avec ses coéquipiers et son bantous à qui n'était pas content du tout. Hein, qu'il ait manqué ses deux lancers francs. Fort heureusement, il a eu la possibilité de faire son mea culpa, de se rattraper d'ailleurs, même si après cela, il a causé une possession plutôt en faveur de leur adversaire. Voilà Samake qui sort donc. Ça joue pour GSP. GSP. On cherche du soutien. Le shoot à 3 points qui ne rentre pas. Et le bon rebond, il est bleu. Bandara. Il tente le 2 points et c'est rentré. Cette action personnelle de Aïdara Ibrahima, shérif. Elle est tout seul. Il a pu déposer.
Ah, le pivot pris en tenaille. Le pivot américain de cette équipe, Riley Morgan. Le Mali à nouveau. C'est à l'intérieur. Boubacar Koulibaly, le Malien, ah, qui a permis un laps de temps à son équipe de gagner 4 points, c'est pas mal. 47-39. We shall be coming back after having listened to what the coaches will have told their players. Patience en attaque, on s'enflamme pas. On a le 40, on va jouer 40 jusqu'à la fin. Alain Mustafa, à l'opposé, Abdelham est allé. Il a profité Abdelham. Je suis cher, je suis très rapide. D'accord. Ça veut dire Mustafa, il faut que je profite Abdelham. Hey, JC, JC, Abdelham, continue. D'accord. Abdelham, Abdelham. Déjà, si tu te prends, tu vas venir. Effective communication there from the coaches to the players, dishing out advice as to what they need to do, especially to players of Ice Police of Bamako Mali, who have been led by GSPF Algeria. That's 9 points for Ice Police and 47 points for GSPF Algeria. 8 points difference. Some 6 minutes to the end of this third quarter. GSPF Algeria in white. And that is Wyatt Sherif. He tried as much as possible to get support from Riley Morgan, but unfortunately it wasn't possible as Ice Police of Bamako Mali comes in there with his 3 points against, but unfortunately for them, he doesn't get into the net. He failed to secure 3 additional points there, permitting the opponents of GSPF Algeria, yeah, Michael Kwebe, to combine with Agba Mustafa. They know they are leading. They have all what it takes to continue to consolidate their lead in this match as they try and get 2 other points, 2 successful points for Kante Mouhamadou. Kante Mouhamadou, a Malian who plays for GSPF Algeria, who is playing against his home country, I should say, who is playing against his mother country, Mali. C'est une situation embarrassante d'être d'une nationalité, mais de prêter ses services pour un club d'une autre nationalité. He's defending the colors of the team that puts food on his table. That's GSP of Algeria. Bah, fort heureusement, il reste professionnel. Il fait son job pour GSP. Le Malien Mamadou Konaté. Le shoot de Malcolm. Il n'est pas rentré. Heureusement qu'il l'a suivi. Ibrahima Sherif à Aïdara. Avec le rebond juste. Et puis le shoot pour finalement envoyer ce pur au fond. GSP. Avec la faute produite à l'instant sur Abdel Salem, l'ailier du mètre 95, 85 kg, qui n'est pas le plus âgé de cette équipe puisqu'il n'a que 29 ans. Ah, il y a le doyen de cette équipe. Ils sont d'ailleurs deux doyens. C'est l'Américain Darrell Green, le Dossard 14 et puis... vous avez le pivot Mustapha Adrar, 37 ans également. Ça joue pour l'équipe malienne. Koulibaly qui revient sur le pivot de l'équipe qui a eu du succès tout à l'heure à la raquette, alors que ce n'est pas le cas sur la passe tout à l'heure. Complètement manqué. Le Mali n'a pas besoin de cela. Il leur faut bien mieux, il faut de l'adresse. C'est vrai que l'équipe s'est resserrée un peu au niveau de sa défense, comme vous le voyez à l'instant. Ce rebond de Michael White. La défense s'est retractée. Il a tiré des leçons de la première partie de ce match, pendant laquelle la défense malienne n'a pas été excellente. Ça joue. Pour Papa Tanti, là. Asko, les deux. Ah ouais.
Il y aura deux lancers francs pour l'équipe du Mali. Une occasion de porter le score à 43 si jamais il réussissait à les mettre au fond, les deux balles à Skofaré. Et le voici, celui qui n'a pas été titulaire au premier match. Le shoot, c'est à côté. Il n'a pas été titulaire au premier match, encore moins au second. Sa première impression, c'était en fin du troisième match. Et ça peut se comprendre, c'était à la faveur de la sortie pour hospitalisation d'Alphan Diaye. Ah, il n'a pas du tout été adroit. Deux lancers francs au camp rentré pour Skofaré. Ça n'est pas bien du tout pour l'équipe du Mali. Not at all good. Morally speaking, given that they have been led, it would have been glaring opportunities for them to reduce the points tally. But they have not yet, they are not yet discouraged as Ice Police of Bamako Mali to Traoré Ousmane. What does he do? He needs help, and help comes from Tranjiba Papa. A beautiful combination there with Haidara Ibrahima, but unfortunately they were sandwiched there as the Algerians retaliate with this offensive move for permitting them to come in with this two-point throw. And it doesn't get into the nets from Green Darrell. Unfortunately, the Algerians succeed 1 second later to contest another opportunity to get two additional points with their points tally. They have increased their points tally to 51 points. As again, 41 points for Ice Police of Bamako, 10 points difference. There comes a beautiful offensive move for Jesper for Algeria. The referee sounded his whistle there. There was a personal foul. There was a personal foul there against Ice Police of Bamako, which comes some 3 minutes, 7 seconds to the end of this third quarter. As the players of Jesper for Algeria talk among themselves, concentrate, and they talk among themselves. I can see Darrell Green advising some of his teammates as to what exactly they need to do before the end of this third quarter. It's going to be a free throw for GSP of Algeria. Another free throw. It will be an opportunity for them to secure additional points in this match. First free throw there, concretized by Agba Mustafa. So a successful free throw for GSP of Algeria. Adwa Mustafa comes in there with a second free throw attempt, but unfortunately this time around, Adwa Mustafa doesn't succeed with the second attempt as far as the free throw is concerned. It would have been an opportunity for Adwa Mustafa to take up the points tally of GSP of Algeria, both 52. But now they are stuck at just 52 points. Some 3 minutes to the end for this third quarter. The match is becoming more and more tough, more and more tense, more and more physically looked upon to. And here comes an offensive move for Ice Police of Bamako, and the dunk. The successful dunk by Haidara Ibrahima, securing two additional points for Ice Bamako. And the retaliation is visible from Jesper for Algeria. His height, Kouati Mohamed. Kouati Mohamed makes use of his height and morphology to get two additional points for Jesper for Algeria. Baldum, there is no time to waste in basketball. That is it. Aussitôt, on a marqué d'un côté que de l'autre. On a réagi immédiatement, comme à l'instant. Et là, c'est sorti. Cela se joue en l'espace de 4 secondes. Haidara venait de réussir sa claquette de l'autre côté que très rapidement, Mustapha Adrar, le doyen de l'équipe algérienne, a réagi. Et donc cela interpelle à rester vigilant de bout en bout et toujours d'alerte. Possession de balle pour l'équipe du Mali. Timothy Steed. Il est américain. Timothy Steed. Le meneur de cette équipe. Timothy Steed. Il a deux joueurs en face de lui. Il est à l'entrée pour les 3 points. Il choisit d'attaquer l'anneau. C'est bien compliqué devant les joueurs algériens, tous ces basketteurs. Ils ont une moyenne de taille d'un mètre 95. Et donc bien compliqué de se frayer instantanément de la place devant eux, encore moins dans les airs. Adra. Il n'est pas adroit sur ce coup.
Timothy Steele, il a de l'espace, il l'a déposé. Avec un dégagement au passage, il s'est débarrassé de l'Américain Darren Green. Plaqué au sol parce que lui, il était monté déjà, il est dans son bon droit. C'est pas rentré. La récupération pour l'équipe menée par 54-45, l'équipe du Mali. Voilà. Qui continue de croire qu'elle peut jouer la finale de ce deuxième tour de qualification finale prévue demain ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à 18h. Mais pour les deux équipes qui vont y participer, eh bien, les points d'interrogation demeurent, même si GSP d'Algérie commence à dessiner son visage déjà. Le lancer franc. Timothy Steed. C'est à côté. La réussite n'est pas au rendez-vous. La réussite n'est pas au rendez-vous. Il en est bien fier, l'entraîneur de l'équipe de GSP, puisque ça permet à son équipe de maintenir l'avance. Timothy pour le deuxième essai. Toujours pas de réussite. Revoici l'Américain. Koulibaly, le shoot. C'est à côté également. On venait de vous le dire. Ça joue vraiment sans réussite pour l'équipe d'AS Police. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas de précision dans le tir. Et c'est un problème pour cette équipe qui a besoin de revenir au score. Si elle veut espérer une qualification. Ah oui, voilà. Là, ça a bien fonctionné. Adrar qui a attaqué. Il a shooté, la balle est revenue. Et juste derrière lui, il y avait Céline Touati, le pivot, qui ne s'est pas posé de questions dans son rôle donc d'intérieur. Eh bien, il est monté tout simplement et il a déposé la balle orange dans le cercle. Le cerceau horizontal qui attend toujours de voir l'équipe de AS Police s'exprimer de bien meilleure façon. Ça n'est pas encore le cas. Darren Green, l'Américain ailier de l'équipe algérienne. Darren Green, le shoot. Ah, c'était bien. C'est dedans. Abdel Salem. Pour le 59e point algérien. Timothy, le shoot, c'est à côté. Et il n'y a pas de faute en plus. Ah si, finalement, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. On peut le revoir. Le shoot à 3 points. L'Algérie. La récupération pour les Bleus. Alors que c'est la fin. La fin de ce troisième carton, c'est terminé. 59-45 et l'Algérie qui est toujours devant. GSP, 59 points. L'équipe qui peut déjà rêver d'être qualifiée pour la finale prévue demain et aussi la phase finale de la saison régulière. Non,
Reprise de cette première demi-finale avec un gros espoir pour Darrell Green que vous a persuadé de pouvoir disputer la finale demain face au vainqueur du match de la deuxième finale. Match sur lequel le représentant camerounais aura la possibilité de conquérir sa qualification, sa double qualification. Qualification pour la finale, qualification aussi pour la Ligue africaine de basketball, première édition organisée l'année prochaine et financée par la NBA. Oh, quel contre! Oh, quel contre! Il est allé la balayer au moment ultime. Cette balle qui pratiquement était en train de rentrer dans l'arceau. C'est alors qu'a surgi la main d'Ascos Faré pour la sortir d'orbite. Ce sont des gestes rares. Il l'a réussi quand même. Le voici, le pivot de l'équipe. Cette fois-ci en situation offensive. Il obtient la possession pour son équipe. 61-45, le score. Steed. Il cherche un appui. C'est bien difficile. Parce qu'il était en fouille. Aïdara, c'était compliqué pour lui. Plutôt Diaye Bouba. Quite decisive last quarter of this match between GSP of Algeria and Ice Police of Bamako Mali. The points difference so far, it's 14 points difference, 61 points for GSP of Algeria and 45 points for Ice Police. And so GSP of Algeria increases their points tally with their wonder boy, they call him Fuati Mohamed, who just increased their points tally to 63. They are slowly but surely moving towards securing a win in the semi-final and picking their qualification ticket for the final and eventually their qualification for the African Basketball League. GSP of Algeria, they who had made known their intentions from the start of this tournament, from the start of this competition, with a series of beautiful victories, especially that against FAB Basketball of Cameroon. Here they are faced with the team from Bamako Mali. Not quite easy, but it's a way for them to maximize their chances and get their points. Ice Police of Bamako. What a loss of action there. Poorly calculated move there by Ice Police of Bamako via Steve Timothy. A lot of anxiety on the faces of the technical bench of Ice Police of Bamako. Not quite happy with the scoreline situation so far. Not quite impressed with the play style of the players of Ice Police of Bamako. On the other hand, a lot of smiles on the faces of the different players on the technical bench of GSP of Algeria. As I speak, players of FAB Basketball of Cameroon are making their entry into the Yaoundé Mosque Football Sports Complex. They are seated directly opposite the commentary booth where we find ourselves. Players of FAB Basketball, they have come to watch this other semi-final fixture. They have certainly come to watch their future opponents if they win tonight at the final to be played tomorrow. FAB Basketball, they have the responsibilities of the entire nation to qualify for the final and make the nation proud, given that the tournament is taking place here at home. And here comes Ice Police of Bamako Mali via Haidara Ibrahima. Ooh. Also beautifully combined there with this two-point shot attempt, but unfortunately for Ice Police, doesn't get into the net. Another two-point attempt there by Haidara Ibrahima. He fails to secure that one, permitting GSP of Algeria
to reorganize play and for them to talk among themselves as one of the players of Jespo, Alvar Mustafa, one of the Malians of this team, and he gets right up and the ball doesn't get into the net for Tuati Mohamed. What a waste. What a waste to score another opportunity. There was Ice Police of Bamako. Here comes Ibrahima. He gets closer, but the ball doesn't get into the net, permitting Jesper of Algeria to retaliate. What an offensive move as we play some 6 minutes, 32 seconds to the end of this match. Et là, ça commence à craindre, Baldwin, ça commence à craindre côté malien. 18 points d'écart, un retard énorme. Quand il ne manque plus que 6 minutes, 32 secondes à jouer, et que l'on a remarqué, vous aussi certainement, que cette équipe du Mali manque d'adresse, manque de précision dans son tir. Si la défense, autant qu'elle peut, essaye de se retracter, faire son boulot, mais sur la ligne d'attaque, c'est bien compliqué. Surtout depuis que Timothy Steed est emprisonné. Malcolm White également, les meilleurs marqueurs de cette équipe du Mali. Eh bien, c'est bien compliqué. Voici Steed. Le shoot, ça c'est à l'intérieur. Et c'est bien ce qui manque à cette équipe. Pouvoir aller jusqu'au bout. 65-47. 5 minutes 58 secondes à jouer. Et le moment est venu, celui des grandes révisions. Révision des stratégies donc. Alors mesdames et messieurs, pour continuer dans nos salutations, les personnes, eh bien, les responsables qui ont porté il est là depuis le début avec nous. Il y a également des officiers très bien AS Police, équipe institutionnelle donc. Pour la possession de balle, alors qu'il reste 5 minutes et 50 secondes à jouer. Dernier carton, dernière ligne droite. Steed. Steed, la feinte, elle est bonne. Et le shoot après, il n'y en a pas. Steed à nouveau. Qui vient donc d'obtenir 3 points. C'était à l'axe de l'anneau. L'Américain a fait le geste juste. C'est bien que on peut le constater. Sa joie est éphémère puisque immédiatement l'équipe algérienne a réagi. 68 points contre 50. La distance reste la même. 18 points à remonter pour l'équipe de Bamako. Alors, est-ce que Ousmane Traoré, Malcolm White, Mouamadou Keita, Ibrahima Kane, Timothy Steed vont y arriver? Il s'essaye tout de même. 16 points, c'est pas mal. GSP. GSP. Ah, il y a un foot. Il y a football de la part d'Asko Faré. Abraham. Belkacem. Le shoot, il est libre complètement. Heureusement qu'ils ont récupéré les Maliens qui peuvent repartir avec Ousmane Traoré.
pour Keita. Le shoot qui rentre. Et les trois points non pour cette équipe. Qui commence à comprendre l'importance de l'adresse, de la précision du shoot. 55 points déjà, c'est pas mal. L'Algérie, c'est pas rentré. La balle de récupération, pas pour longtemps. Voici. Ah ouais, il y a eu football. Il y a eu football de la part de Edin Belkacemi, le joueur de 29 ans qui a fait exactement ce qu'il ne faut pas au basketball, uniquement réservé à la main. Keita, il communique la stratégie. Le joueur, il est à l'entrée. Keita, ouh, la feinte, elle est bonne. Il y a la faute. Tammy Diarouba, grâce à sa faute, va obtenir lancé franc. Mais ce sera après la petite pause parce qu'il y a un timer demandé du côté des Algériens. Une petite pause alors qu'il reste 4 minutes et 4 secondes à jouer. Le score, Keita à la concertation avec Ibrahima Kané pour les dernières stratégies de ce match. Alors le lancer franc, ils sont doubles. Là c'est à côté pour Diarouma. Alors, deuxième tentative. C'est à côté également. L'équipe n'en a pas besoin. En ce moment, 13 points d'écart face à cette équipe algérienne qui est capable de donner une impulsion à tout moment. Comme à l'instant sur ce lancer franc. Comme à l'instant où Edin Belkacemi fait parler son mètre 90. C'est son adresse, sa précision dans le shoot. Ah, c'est bien compliqué pour cette équipe. 16 points d'écart à nouveau. Il faut y aller, Malien. Il va attaquer l'anneau, c'est compliqué. Obstruction complète et récupération facile de l'équipe aux couleurs blanches. Les pétroliers. Que voici? Ah, pour le pivot. Ah, la récupération malienne. Ils peuvent y aller, c'est une balle de contre-attaque. C'est bien ce qu'il fait, il est monté. Oh, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Cette balle de Thibauti Stid qui pourtant avait fait le plus dur en contrôlant, en montant, en shootant. Et même qu'au passage, on lui a attribué deux lancers francs. Ah, l'idéal aurait été de faire entrer cette balle. Le shoot. Ah, ça c'est excellent. C'est bien pour le moral du joueur et ses coéquipiers. Mené 71-56. Il reste 3 minutes et 9 secondes à jouer. Alors c'est bien compliqué parce que il traîne ce boulet depuis le début du match. C'est gros écart. Alors le deuxième lancé franc, il est à l'intérieur. Côté malien. Et petit à petit, visiblement, le premier qualifié pour cette finale. Ce sera l'équipe algérienne si les choses restaient en l'état. Nous n'y sommes pas encore.
l'Algérie. Le shoot qui ne rentre pas. Keïta. Il va attaquer l'anneau, il n'est pas bien grand. Il complique la tâche. C'était le plus difficile pour lui. Heureusement qu'il a eu la présence d'esprit de prendre appui puis à Rouma qui lui a fait son petit dépôt de 2 points. C'est quelque chose de grignoté quand même. GSP, il est tout seul. On dirait un lancer franc. Il n'y avait personne pour le gêner. Et c'est pas bien de fléchir comme ça en défense. Steed qui cherchait les 3 points qu'il n'a pas obtenu. La contre-attaque algérienne. Ils sont passés. Ah, il est monté. Fort heureusement, c'est à côté. Le Mali pour réagir. Par Orouma. Oh là là. Elle n'est pas rentrée. Ça commence à se compliquer. Il reste de moins de 2 minutes à jouer. L'Algérie. L'Algérie à nouveau. L'Algérie par Belkacemi. Touati, le plus grand de cette équipe. 2 m13. 105 kg. Pour le pivot de l'équipe. Que voici. Il va revenir sur Belkacemi. Le shoot. Il est de 3 points. 3 points. À quel moment? 74. 74 points déjà pour l'équipe algérienne contre 61 pour son vis-à-vis du jour AS Police. Donc les espoirs de qualification sont des plus amoindris en tenant compte du temps à jouer. 1 minute 26 secondes. Pratiquement 13 points à remonter. Est-ce qu'ils vont y arriver? On va l'observer. Le shoot. Ce n'est pas rentré. Le Mali. Ousmane Traoré. Pour Keïta. Le shoot. Le shoot à nouveau. Vraiment pas de réussite. Vraiment pas de réussite. Aucune gentillesse. Du cerceau à l'horizontale. Pour les Maliens. Alors le duel. Le duel entre Belkacemi et Dine. Et Keïta, attention, il a voulu la faire rentrer à la douce. Touati, pivot de cette équipe, mais il était bien gêné. Ils se battent comme ils peuvent quand même, hein, côté malien, au niveau de la défense. Mais il faut dire que cela est de grande expression, la taille des joueurs algériens. On vous l'a dit, la moyenne, c'est 1m95. Et il y a au moins 4 joueurs qui vont au-delà de 2 mètres. Vous comprenez que la gestion algérienne est totalement algérienne. Oui. 39 secondes à jouer. Dans 35 secondes, on saura quelle équipe sera donc qualifiée pour la finale de demain. L'Algérie, 32 secondes. Algérie. Belkacemi qui se bat bien. Oh, il est passé. Le pivot. 4 essais. Cédric Touati, à 4 reprises. Il a fait la brique. La balle n'a réagi que sur l'anneau. Ah, on peut l'en voir. Et 3. Jusqu'à la 4e tentative qui n'est pas rentrée. Touati. Et ses 105 kg s'est imposé sur les airs, mais n'a pas pu marquer. Occasion de se rattraper donc sur ce lancer franc. C'est à l'intérieur. Touati. Pour son 2e essai, c'est aussi à l'intérieur. Désormais 76 points pour l'équipe algérienne, alors qu'il reste 19 secondes à jouer. J'ai bien peur. Bien peur de croire que ce soit terminé déjà à l'avantage de GSP d'Algérie. 15 points d'écart
en 19 secondes, eh bien, ce serait bien difficile de voir cette équipe du Mali pouvoir réussir cet exploit. On peut voir quelques actions les plus récentes. Notamment ce shoot de Belkacemi Eddin. Et n'oubliez pas le rendez-vous de tout à l'heure à 18h, deuxième demi-finale avec l'équipe qui représente le Cameroun, AS FAP, FAP qui sera opposé à ABC de Côte d'Ivoire avec le même enjeu que la rencontre qui s'achève tout à l'heure, la qualification pour la finale prévue demain à 18h et aussi qualification pour la saison régulière prévue en 2020. Et voici donc pratiquement l'appendice de cette rencontre qui va s'achever dans 18 secondes. Steed, il est tout seul. Ils l'ont pourtant laissé passer. 11 secondes. Voilà. On peut déjà aller à la conclusion. Elle ne sera pas active. GSP d'Algérie tient sa qualification donc pour la finale. Il ne reste que 11 secondes à jouer et 15 points remontés pour l'équipe du Mali. Cela n'est pas possible. Remonter cette pente aussi abrupte, aussi raide. La possibilité de toutes les façons m'étonnerait. Qui on va prendre demain, mais là ce sera le match, un match quand même dur. Retour justement pour jouer les 11 dernières secondes donc de ce match. GSP d'Algérie avec un banc de touche déjà prêt à bondir pour célébrer sa qualification pour la finale. 76 pour la meilleure équipe algérienne qui a gagné les dernières 8 coupes d'Algérie et les derniers 8 championnats de manière affilée. Ah oui, c'est de manière ininterrompue, pratiquement. Vous comprenez que c'est une équipe rodée. Voilà. Et voilà, le second qui s'égrène, c'est fair play, c'est terminé. GSP d'Algérie qualifié donc de cette façon. Score final 76-61. L'équipe vient d'obtenir une double qualification. Double qualification, la première. C'est pour la finale qui le posera demain au vainqueur de la rencontre FAP du Cameroun et ABC de Côte d'Ivoire. Et la deuxième qualification, c'est la participation à la saison régulière prévue en 2020. On vous l'a dit, ce sera dans 6 pays, en Angola, en Égypte, au Nigeria, au Sénégal, en Tunisie et puis en Égypte. Ces pays qui ont déjà leur qualifié, GSP d'Algérie, premier qualifié donc pour la finale. Mais ils ne sont pas si malheureux que ça. AS Police, l'équipe a une deuxième opportunité de qualification pour la saison régulière. Eh bien, puisqu'elle va jouer demain à 15h30, le match de classification pour la troisième place. En cas de victoire d'AS Police, eh bien, l'équipe serait donc aussi
qualifié pour la saison régulière. Et ça, il faudra attendre son adversaire de demain, qui sera l'équipe vaincue entre FAP et ABC. Voilà donc pour la conclusion de ce premier match qui fait la qualification de GSP d'Algérie pour la finale. Restour en studio avec vous, Berlin Kabla.